Enfin, j'ai une image, j'ai un stream. Alléluia. Alléluia, mes frères. Cul de ta race. Putain, j'ai perdu une demi-heure, mon pote, à lancer un stream. Une demi-heure, en cul de ta race. Ça m'a saoulé, je te jure, c'est un truc de ouf. J'ai envie de défoncer des... Putain. J'aimerais trop qu'il y ait un mec qui vienne devant chez moi, qui me regarde mal et qui me, je sais pas, qui me fasse un doigt. Je lui défonce sa gueule. Cul de ta race, en cul de ta race, je te jure, ça me saoule, ça m'a saoulé. C'est un truc de ouf. Putain, c'est de la merde, c'est un truc de ouf. Limite, là, tout à l'heure, je suis en train de me dire, je vais sur Facebook, je vais revendre ma console. Mais je crois que je vais la revendre, la Xbox One S, là, c'est vraiment de la merde. Je veux dire que la PS4 c'est de la merde, alors la Xbox putain c'est devenu de la merde. Enfin la One S c'est vraiment de la caille. J'ai l'impression qu'ils t'ont fait une console, elle est même pas terminée quoi. C'est des humains ça ou... Toi t'as une sale gueule. Je peux modifier son crâne, putain.
Oh le tos. Ça va ou quoi? Moi ça peut aller, ouais. J'ai un peu ragé là parce que j'ai mis une demi-heure à lancer un stream, ça m'a saoulé alors que demain je travaille, enfin bref j'ai pas trop de temps. Bref, je me suis cassé le cul pour lancer un stream, ça me saoule. J'ai essayé de chercher le problème sur machin support et tout comme ils disent, j'ai rien trouvé, ça m'énerve, c'est un truc de ouf. J'ai envie de la refourguer cette putain de console, c'est ouf. La Xbox là j'ai envie de la revendre. J'en ai déjà marre. Rien à foutre de ce que tu penses de moi, mais si je t'écoute, tu feras quoi? Tu me ralentiras, ouais, pas de doute, ça, je ne veux pas, mais sur ma route, je fais mes propres pas, et casse-moi les couilles, mais là tu verras, et je parle pas de douille, non, je suis pas sans lâcher quelques embrouilles, ouais, et nique sa race, exemple, une patrouille, ouais, il faut que je trace, parfois je la trouille, mais tu sais que ça passe, quand je détruis, tu sais pas ce qui se passe. Non, non, c'est toujours le même, le tos. J'ai repris mon poste en fait. Ouais, le taux, ouais, non, c'est cool. Bah, c'est cool d'un côté. Faut, bah, je vais attendre la fin du mois, tu vois. Normalement, je suis pas à plein temps, tu vois. Je suis à 120 heures. Donc là, ça va augmenter parce qu'en fait, j'ai perdu la moitié de mes clients à cause de mon départ. J'ai récupéré la moitié. Il y a l'autre moitié qui veut pas me voir. Et puis, une partie aussi que je veux plus voir aussi, tu vois. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'être à 140 heures, je suis passé à 68 heures, sa mère. Donc, d'un côté, c'est cool parce que j'avais pas envie de reprendre avec des putains de journées de merde. Mais d'un côté c'est chiant parce que ça fait pas beaucoup d'oseille, mais de toute façon j'en ai rien à foutre que je fasse 80 heures, dans tous les cas je serais payé 120 heures, donc j'en ai rien à foutre. Les bugs des cartes pour léger, ça se voit direct. Et toi, le taux, quoi de neuf? En week-end là? Moi je travaille de putain en plus ce week-end. Ouais, c'est dommage pour les clients, mais bon, c'est pas. C'est pas grave. En fait, sur tous ceux que je revois pas, il y en a que je veux plus voir, donc parce que ils me saoulent. Il y en a qui veulent plus me voir et tant mieux parce qu'ils me saoulent aussi. Et après, il y en a deux, j'avoue que je suis étonné en fait. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Ouais, t'es en week-end, c'est la famille. Oh putain, je suis mort. Rust? C'est quoi Rust? Ok, tu t'arraches. Me refaire d'autres quoi? Ah, des clients, oui. Enfin, si tu parles des clients, ouais, il y a des nouveaux. Là, justement, j'en ai des nouveaux. En gros, c'est ça le tos. Ouais. Je suis aide à domicile, donc je vais au domicile des personnes qui ont besoin d'un coup de main. Et puis après, moi, par rapport à mes collègues, tu vois, mes collègues, ils font beaucoup de toilettes à des vieux, beaucoup de ménage.
que moi j'ai pas beaucoup, j'en ai un petit peu, tu vois, mais j'en ai pas beaucoup, c'est une fois de temps en temps. Et sinon, j'ai beaucoup de personnes handicapées, des adolescents, des enfants. J'ai 3 enfants de moins de 10 ans. J'en ai un qui a 10 ans, c'est le plus vieux des enfants. J'en ai un qui a 8 ans, un qui a 5 ans. Après, j'ai des ados d'entre 20 et 30. Enfin, des jeunes adultes. Puis après, il y a des pareils, il y a des personnes. J'ai beaucoup de personnes qui ont eu un accident, t'sais, des personnes qui sont nées comme toi et moi, tu vois, mais qui ont eu un accident de voiture, par exemple, ou un accident de travail, ce qui fait qu'ils sont devenus handicapés, bah, d'un bras, d'une jambe, tu vois. Donc, des personnes comme ça à qui j'emmène à des rendez-vous, que je vais faire des courses. Donc, c'est sympa, c'est cool. C'est assez cool. Ah, c'est ce week-end que tu vas geeker, d'accord. Ouais, justement, le taux, c'est ce que je disais l'autre fois. En plus, ça, c'est un taf. Il en faut, tu vois. Après, bah, c'est sûr que faut pas faire ce taf si t'as besoin de taffer, en fait. Faut faire ce taf si vraiment t'aimes faire ce taf. Et ça, c'est un truc, justement. En ce moment, je suis avec des collègues là. C'est mon problème, de toute façon, dans ce travail-là. À chaque fois que je vais bosser dans ce travail-là. Et j'avoue que je vais pas faire le mec modeste, justement, tu vois. Je sais que je suis doué pour ce travail. Mon patron, il m'a repris, il m'a dit que j'avais des qualités, contrairement à tous mes collègues, que j'avais un truc, tu vois. Enfin bref, je vais pas faire le mec modeste. C'est vrai que j'ai un truc pour ce travail, tu vois. Je suis assez bon. Et mon problème, c'est que, bah, en fait, j'ai envie que les gens soient comme moi, on va dire. Et ce qui fait que mes collègues, bah, la plupart, enfin pas la plupart, mais il y en a quelques-unes qui font de la merde, et surtout une. Ah, ça en prend plein la gueule, laisse tomber. À chaque fois que je passe derrière elle chez un client et je vois des trucs qui vont pas, je vais voir le cahier, hop, qui c'est qu'à travailler, je vois le nom de la personne. Et je m'en doute. Enfin, à chaque fois, je m'en doute quand il y a un truc qui est mal fait, c'est toujours cette connasse. Et je sens que ça va partir en couille avec elle. Mais tant mieux, justement, j'ai envie d'avoir une histoire là. J'ai envie de gueuler, j'ai envie de péter un plomb, tu vois. Ça me ferait trop du bien. Non, je la taperai jamais, ça peut quoi. Non, non, mais en tout cas, je sais qu'en tout cas, tu vois, c'est ça, c'est que je pense que la nana elle va mal le prendre parce que je me plains, tu vois. Une fois, je lui ai dit, parce qu'on se voit pas entre collègues, tu vois, vu qu'on se relaie et qu'on n'a pas de patron, c'est ça qui est cool dans ce boulot, c'est qu'on n'a pas de patron derrière notre cul. Donc c'est sympa, tu vois. Mais j'ai toujours dit, hein, je me suis plaint une fois sur un cahier pour pas le dire au patron, tu vois, je voulais le dire à elle. Et elle m'écrit, en gros, elle m'envoie pas chier, tu vois, mais. Elle n'est pas d'accord avec ce que je lui dis, alors qu'elle n'a pas à être pas d'accord, parce que c'est comme ça, tu vois. Enfin, je vais pas te dire c'est quoi. Mais en gros, elle n'avait pas le choix, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas le choix. Et là, elle me dit non, non, je sais pas quoi. Ah ouais, bah vas-y, va te faire enculer. Et en fait, bah, j'en ai parlé à la psychologue, je lui ai dit, bah, moi, ça passe pas, donc dites-lui vous. Elle me dit, oui, vous avez raison, machin, nan, nan. Donc la psychologue lui a dit, elle a fait ce qu'on lui a dit, mais elle le fait pas bien, tu vois, c'est trop bizarre. Elle fait la moitié de ce qu'on lui a dit, ce qui fait que ça m'énerve encore plus, tu vois. Donc j'en ai encore reparlé, dis-tu encore de voilà. Et donc ça, j'ai pas eu de retour et je me suis encore plaint une troisième fois, tu vois. Et j'espère que la nana va en avoir marre, qu'elle va se dire putain mais Axel, qu'est-ce qu'il veut machin et il me casse les couilles, il m'en veut machin nana et qu'elle vienne me voir, qu'elle me dise quelque chose. Mais elle a que à fermer sa gueule, tout ce que j'ai à dire sur sa gueule, elle pourra que la fermer. La meuf, elle va chez des gens et elle impose sa manière chez les gens. Alors que non, quand tu vas chez les gens, c'est à toi de t'adapter aux personnes. Tu vois, tu vas chez quelqu'un, c'est la personne qui va dire vous faites ci, vous faites ça. Elle va chez quelqu'un, c'est elle qui dit bah je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, ça c'est un truc qui m'énerve. Enfin bref, connasse, là, 40 ans. Ah, pour moi, à fond. En plus, je le disais, la manière qu'elle a de travailler, moi j'ai dit obligé, elle vient d'un hôpital. Parce que sa manière de bosser, moi j'ai connu, tu vois, des gens, c'est.
Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans un hôpital. Donc j'ai demandé à la psychologue, elle savait pas. J'ai demandé à une cliente qui savait. Je dis, elle a travaillé où avant? Elle me dit, elle a travaillé à l'hôpital de machin. Je fais, ah bah j'en étais sûr. Je fais, c'était obligé, sa manière de bosser comme une bouffonne là. C'est ouf le tous. Non, non, mais en tout cas, ouais. J'aimerais trop qu'elle vienne me casser les couilles. J'aimerais trop, parce que comment je l'enverrais chier, putain. Mais moi, je suis un peu à ouf, moi, des fois, parce que j'ai des arguments, mais des fois, dans ma tête, je suis tellement énervé que je sors toutes les insultes hardcore que je peux lui sortir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des trucs vraiment de ouf, hein, des trucs que des fois, j'ai même jamais entendu de ma vie, tu vois. C'est ça qui est bien en français. Les gros mots que tu peux sortir, sa mère, c'est ouf. Ah, mais je me connais. Si un jour elle me casse les couilles, je dirais machin, machin. Et si elle veut me tenir tête, bah, je l'insulterai tous les noms. C'est ça le truc. Je serais trop méchant avec elle. Et le pire, c'est que je continuerai justement à lui en faire baver, mais. Enfin bref, c'est une connasse, qu'est-ce que tu veux? Quand ça sort, c'est ça. Le pire, c'est que. Attends, le pire, c'est que j'avais fait le coup avec ma mère aussi une fois en vacances. Putain, on était en vacances, j'avais teasé, je venais de perdre mon meilleur ami, enfin, ça faisait pas longtemps. Et donc, j'avais besoin de péter un plomb, j'ai pété un plomb, et puis malheureusement, c'est tombé sur elle où. Ouais, je l'insultais, mais. Des fois, elle m'en reparle, tu vois, elle s'est gravée en elle, je lui ai pourri ses vacances, je lui ai pourri un moment. Enfin, c'est un truc qu'elle oubliera jamais de sa vie, apparemment. Et je m'en veux beaucoup parce que j'ai vraiment dit des trucs de ouf. Mais des trucs. Ouais, vraiment des trucs de ouf. Ouais, grave le tos. Ah, mais j'étais déchiré, déchiré. Je me souviens, j'étais en Espagne, j'avais bu une bouteille de manzana en mode en 20 minutes, tu vois, j'avais envie de me déchirer la tête. Et je l'ai bu comme ça, clac clac, en mode en 3, pas QC QC, mais en 3 fois, tu vois, au glou 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 glou. Hop, j'ai attendu un peu, glou 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 glou. J'ai fumé, et puis là, ça m'a torché en 2-2. J'étais petit en plus, enfin, j'étais petit. Je devais avoir 16 ans. C'est ça le tos. Oh yeah, c'est un Minos ou quoi? J'attendais que tu parles. Wizbot, il t'a poucave. Il est marqué, votre ami Minos est sur stream. J'attendais que tu parles. Et si tu n'aurais pas parlé d'ici 20 secondes, je t'aurais dit, oh Minos. Ça va ou quoi? Ah ouais, Minos, au fait, pour les vidéos, alors je sais pas si tu veux toujours en faire, mais j'aurais peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est j'aurais besoin de toi. C'est quoi ça? C'est pour les pieds. Ah, c'est double genou. Ouais, je verrai à la fin. Ah, moi, je fume pas, même pas la clope. Ah. Mais t'as quel âge, le tos? Ah, t'es grave malade. Ah merde. Bah moi ça va, j'ai repris le taf petit à petit là. Ah, c'est pas facile mais bon. Ça le fait. Ça le fait. Par rapport au premier jour déjà c'est un peu mieux aujourd'hui tu vois. Alors si t'es toujours chaud, t'as 16 piges le tos. Ok. Ouais, donc t'as bah. Tu sais quoi? Bah continue, ne fume pas, ne bois pas, c'est bien. Ah mais c'est bien que ça passe pas. Même moi tu sais quoi, j'aurais bien aimé que ça passe pas. Et encore, moi ça passait pas hein, comme tout le monde, et j'ai fumé à 13 ans mon gars. Enfin 13 ans. Ma première clope, la première clope que j'ai mis dans mon bec et que j'ai tiré une taf dessus, la tête de ma mère, hein, je crois que je marchais à peine, je crois que j'avais 3 piges et je m'en souviens encore un petit peu. Il y avait une clope dans un cendrier, je voulais faire comme les grands, j'ai toussé ma mère. Et j'étais à Guinette à Étampes, donc effectivement j'avais moins de 5 ans et je m'en souviens. Non, j'avais 3 ans parce que ouais, c'est. Ouais, j'en suis sûr.
Mais sinon, j'ai commencé vraiment à fumer à 13 ans. Et en gros, depuis ma sixième, bah, je fume tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, ça passait pas. Et en fait, j'étais avec un groupe de jeunes, enfin, qui étaient plus vieux que moi, avec un pote de mon âge. Puis on fumait avec eux, on se forçait en fait à fumer. Et puis au final, on s'est forcé pour que ça passe, tu vois. Donc, bref. Aujourd'hui même, franchement. Ouais, mais après, c'est comme tous les vieux qui. Enfin, tous les connards hein, qui le disent. Qui disent aux jeunes, l'école, c'est. Gnagnagna. Pas fumer, faut pas boire. Ouais, ferme ta gueule. Mais au final, bah, tu deviens comme eux, à dire les mêmes choses. Je suis à fond en vitesse ou pas? Là, t'es asthmatique en plus. Donc Minos, je te disais, donc pour les montages vidéo, je vais faire une vidéo. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais je pense dimanche. Dimanche, je vais faire une vidéo. Je vais refaire un. Je vais faire un autre tuto à la FJ. Mais il va falloir que je réfléchisse en fait parce que j'y ai pensé ce soir avec Panormal, il m'a envoyé un message là. Il va falloir que je fasse un tuto au sol, au clinch et tout le reste. Et là-dessus, je te demanderai de me faire un montage. Genre l'odeur, oui. Ceux qui fument, mais après moi, laisse tomber. La première plutôt que j'ai fumée. Sans crapoter, c'était une camel. Et mon pote, j'ai cru que j'avais moi. Ah, une camel en plus, j'avoue. Et camel, à ce qui paraît, c'est plusieurs marques de tabac mélangées dedans. Genre, c'est Marlboro, Philippe, tout ça. Apparemment, il y a plusieurs trucs. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit après, j'en sais rien du tout. Mais j'avoue, camel, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Mais si je bois un peu quand même. Tu bois un peu quand même. Ouais, t'en vois avec le poteau de temps en temps, quoi. Mais je te. Ouais, là, ouais, je suis pas là pour faire des morales ou quoi, mais l'alcool, putain. Pour moi, personnellement, je pense que l'alcool est beaucoup plus dangereux que la clope, le cannabis. Franchement, que le cannabis déjà. Je trouve que c'est moins dangereux. L'alcool, c'est ouf. Je trouve ça même ouf que qu'un truc comme ça soit vendu. Je sais pas, je trouve ça ouf. Si, si, Minos, ouais, t'inquiète, je t'en reparlerai et puis pas de soucis. Mais moi, je sais pas. Ah, les camels, c'est vrai que c'est spécial niveau goût, hein, putain. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est pas pareil. Ouais, j'avoue. Entre potes et avec les parents, c'est sûr que c'est pas pareil. Après, bois pas seul, enfin, fais ce que tu veux, mais non, le toast, évite au cas où, si des fois tu te dis que t'as rien à foutre et que t'as envie de te mettre une mine, tout ça, enfin, rentre pas là-dedans, c'est un conseil. Boire seul, c'est moche. Marlboro et Chesterfield. Alors Marlboro, c'est enfin tout ce qui est Marlboro, Philip Morris, les clopes qui sont à 7 euros, c'est des clopes de bourge pour moi maintenant. Je fume plus ça. Avant, ouais, j'étais à Marlboro quand c'était à 5 euros tout rond. Même en francs, dis-toi, avant je fumais, c'était en francs. C'était ouf ça. T'avais des paquets à 10 francs, les paquets à 20 francs. Et quand tu dis que 10 francs c'est 1,50 € en gros, et que 3 euros le paquet, aujourd'hui tu payes plus du double, c'est ouf. Plus du double. Plus du double de ce qu'on payait avant. Et encore, ça augmente de. Pire en pire. Non, moi je suis passé au club à 6,50 et je prends des sans S maintenant.
J'ai comparé en retirant le filtre. Le filtre est un tout petit peu plus long que des normaux. Normal, pardon. Oh là là, la connerie. Que des clopes normales. Et il y a un tout petit peu plus de tabac aussi. Donc, ce qui fait qu'elles sont un peu plus light, vu que le filtre il est plus long. Donc, les fumées, j'en fume pas trop. Je fume plutôt des spliffs plus plaf. Vu qu'il y a plus de tabac, ça me fait des plus gros spliffs plus plaf. Ah, c'est cool ça, Minos. Ouais, il faisait des tubes alors, tabac roulé tube, je pense. Vitesse, coup de pied, déplacement. Pourquoi tu me dis ça, le tos? Ah, parce que je t'ai dit, évite de teaser solo, je crois. Ouais, c'est cool quand t'en galères justement, Minos. Après, apparemment, il y a pas mal d'épiciers qui font ça, qui vendent des clopes, hein, des clopes de leur pack à eux, Philippe, Marlboro, tout ça, qui vendent des clopes à l'unité. Moi, franchement, là où j'habitais avant, pourquoi je mets ça? Dans 91, là où j'habitais avant, apparemment, il y en avait, tu vois, mais jamais j'ai demandé aux épiciers. Toujours, de toute façon, j'avais des clopes où je pouvais taxer. Et là, j'avoue que des fois, ça m'arrange, hein. Fin de mois, des fois, qui sont un peu galères, je vais me prendre des clopes à l'unité, ça me dépanne bien. Je vais lire juste après Munoz. J'ai bientôt fini. Ouais, le gars, il est trop sympa. Ok, Munoz. Alors, ça veut dire que. Parce que là, tu parles du gars qui faisait 50 centimes les 6. Et donc, si c'était des tubes, ça veut dire que c'était du tabac à rouler. Et si c'était du tabac roulé, alors c'était des Camel, Marlboro, tout ça. Là, ce que, en tout cas, Camel, Marlboro, c'est le même prix, il me semble. Philip Morris, c'est le même prix. Alors, s'il prenait du tabac différent et que c'était le même prix, c'est normal qu'il les vendait au même prix. Après, s'il achetait du tabac, genre du Pall Mall ou du tabac roulé moins cher et qu'il les vendait au même prix, j'avoue que c'est soit il devait baisser celle qui était moins chère qu'il achetait, ou soit il devait augmenter les plus chères, ça dépend, tu vois. Alors, c'est soit les carottes, soit les gentils. Soit carotte, soit les gentils. Non, dans tous les cas, 50 centimes les 6, c'est ouf. Autant acheter ses clopes chez lui, il t'en achète 20, c'est ouf. Vitesse coup de poing. Non, vitesse coup de poing. De toute façon, c'est du blocage qu'il me faut, je suis con. Ok, Mino, c'est.
Sincèrement, là, ce personnage-là, je crois qu'il va être pourri, putain. Enfin, il va être pourri. Basique, quoi. Vraiment basique. Oh, Titou, ça va ou quoi? C'est dur à dire ton truc là. Titou, tranquille, la forme, la pêche. Oh yeah. Tu vas faire des vidéos YouTube, le tos, bah il y en a déjà quelques-unes. Mais après des vidéos à l'arrache, tu vois. Mais là j'ai envie de faire des petits tutos parce qu'il y en a, ça me demande des gens qui veulent des petits tutos UFC, comment démarrer en Ultimate Team. Donc j'ai fait le tuto debout, on m'a demandé le tuto clinch au sol. Donc c'est ça que tu vas devoir travailler, je crois. Et j'ai fait que la première partie en fait, en mode montage sur YouTube. Et je l'ai pas mis en ligne encore. Je l'ai fait voir à Panormal. Mon frère, j'ai pas de retour, mais Panormal, il m'a dit que c'était mortel. Donc j'hésite à la mettre en ligne ou de faire la deuxième partie et de mettre tout en ligne d'un coup. J'hésite. Est-ce que je fais un par un ou est-ce que je mets tout en ligne? C'est quoi tout à l'heure que j'ai dit du blocage? Si, si, Titou, moi ça va. Pépère, Simer, Omer. C'est gentil. Ça va, ça va. Envoie la chienne. Bah, tu vas sur YouTube, tu mets JA 91, tu trouves. Mais sinon, sur ma page Twitch, il y a marqué YouTube, tu cliques sur l'image YouTube et bim, t'es sur la chaîne. Maintenant, le toast, faut que je te l'envoie en mail, parce qu'elle est en mode privé, tu peux pas la voir. Faut que je t'envoie un mail, faut que je mette ton mail en fait, pour que tu la reçoives. Mais de toute façon, ça sert à rien, enfin, c'est un montage, tu vois, mais en gros, c'est la vidéo qui est sur Twitch. Sauf que j'ai coupé les parties qui servent à rien, quoi. Bon, j'ai bientôt fini. Deux soumissions ici. Ah non, celle-là c'est important. Carte au sol. Cimer Minos. Hey Minos, tu revois ta place de modo, en fait? Je regarde juste s'il n'y a pas une position de soumission que j'ai pas. Non. Le bras, je l'ai en 5. Ça, j'ai mis, ça, j'ai mis. Donc maintenant, je vais essayer de gérer. Ah ouais, d'accord. Gérer quoi, mon pote? Tu peux rien mettre, sa mère. Ah, mais je peux plus rien mettre. Je suis à 251. T'es sérieux? T'es sérieux? J'ai mis les. Vous aimez? Ah ouais, putain, on sait même pas. Ah si, 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 ça m'en rien. Ok, c'est moi qui décide. Alors, l'auto, comme je t'ai dit, tu pourras pas l'avoir. Hein. Je regarde ce qu'il y a comme pack, savoir si j'économise. C'est le même que l'autre fois. Bah ouais, c'est celui qui est écrit en anglais. 12 000. Vas-y, pourquoi pas. Ah bah non, il reste une demi-heure. Ah ouais, non, j'aurais pas 12 000 en 30 minutes. Ou au moins, vraiment, 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 va falloir que je torche vite fait, bien fait. Donc, fais voir vite fait. Putain, blocage, je suis pas à fond. Ouais, nique sa mère, de toute façon je suis imbattable. Oh, Titou, merci pour ton follow mon poteau. Bienvenue dans la famille Skizoboy. Oh, yeah. Si mère, oh mère, t'aurais dû attendre là, la première victoire là, comme ça t'aurais fait, ah ouais, je le follow direct, il gère. En même temps, premier combat de la division 1, c'est dur de pas gagner, sauf si on tombe contre un mec qui est comme moi. Et je dis, j'arrive à aller sur ta chaîne, moi. Bah oui, je sais que tu arrives à aller sur ma chaîne, Minos. Mets-moi avec mes cartes. Mon perso à 80 de général, pourquoi toi il a 77? Parce que t'as mis des attributs, je pense. Moi j'ai aucun attribut, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, hein. Ça peut être que ça. Hein.
Moi, c'est un perso vierge. Le 12 000, il pue la merde. Hein. J'ai pris... bah, moi, je l'ai pris, mon pote, le tos, et j'ai eu des bons trucs dans celui de 12 000. J'ai eu des bons trucs dans les 3 packs événements. J'ai eu des bonnes cartes. Non, t'inquiète, je vais le prendre, nique sa mère. 0 attribut, t'es sûr? En général. Parce que t'es pas un poids léger alors. Tu dois être un poids lourd ou un poids moyen. C'est bizarre. Ah, le toss, on va trouver la réponse. Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Non, je sais que c'est pas un pack événement. Mais je t'ai dit, celui-là et les packs événements, j'ai eu des bons trucs. Non, les packs à 5000, j'en ai un peu marre. C'est pas faux. Il n'y a que dans les gros packs où je peux avoir quelque chose. Il baisse dans du. Ton endurance, Matt. Ton endurance. Tu connais Gérard Majax? Attends, je joue une main là vite fait. Ah, c'est parce que t'as un poids moyen alors de tos. Mais je verrai, oui c'est possible que j'ai de la merde, hein. C'est fort possible. Mais le dernier que j'ai pris, enfin j'en ai pris qu'un, j'ai eu du lourd. Je viens de voir ton message que t'as eu de la merde. Ouais, non, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Même j'avais dit j'arrête d'en prendre, j'ai toujours de la merde, machin, ça me saoule. Et au final, en ce moment, j'ai de la chatte. Je vais retourner l'écran défoncé. Ok. Si, si, c'est merminose. Et je te tire juste, ça marche, t'inquiète. On s'est pris de la touffe et tout. Oh. T'as probé combien? Probé combat division A, il est chaud lui.
T'as la petite pendale dans le menton là. C'est même plus une pêche qui s'est pris mon pote, c'est l'arbre entier quoi. Baum. Même ça, hein. Je te jure, des fois j'ai vu là les cartes 4 étoiles là-dedans, enfin la première. Bah voilà. Mais je crois que je l'ai déjà celui-là. Universel, donc ça peut être. Non, franchement, je trouve qu'il y a des bonnes petites cartes dans ce pack. Ah non. Ah, dommage. Celle où il y a. McCormier, je crois, un truc comme ça. Cormier, ouais. Il manque une carte. Jamais une ligne complète là-dessus. Là, je te dis, avec le côté bleu sur l'œil, on dirait un cyborg le truc. Et ouais, Wizbot, c'est la vie. Ah, oh, Sir Dux Fardoche, ça va les gars ou quoi? Pas normal, t'es là? Ah, les gars, ils sont là, ils parlent même pas. Ah ouais. Et Titou, je voulais savoir, je te vois dans la liste. Donc apparemment, t'es encore là. Et je voulais savoir si tu jouais à UFC, si oui, sur quelle console. Et puis voilà. Sniper. On va voir ça. Bon, déjà, premier tir à côté. Premier, deuxième tir touché. Il est fou, lui. Je suis gourmand. Il a failli lever les pieds, le mec. Ah, sa mère, heureusement qu'il ne l'a pas mis. Parce que le plus coupé, je vous peux mettre deux fois.
Là, j'essaie de lui péter le dos en takedown. Ah merde, je peux pas. Il morfe sa mère. Oh, pas normal, ça vaut quoi. Oh, tu t'es pris une crampe ou quoi? Oh, il n'y a pas normal qui vous parle. Tito n'a pas répondu, mais il doit être absent. Est-ce qu'il a décalé? Different camera. Different camera. Va chercher le clochon. Qu'est-ce que je branle, putain? Oh, puis merde, crève! Ouais, bien ou quoi, pas normal. Moi, ça va, c'est merde, merde. Ah, j'étais obligé de terminer, il voulait pas crever, puis mon endurance, j'allais me faire baiser sur le troisième round, c'est sûr.
Coming up next, it's a lightweight bout between assassin and assassin. Our tale of the tape. Oh, pas normal, t'avais mon message privé au fait. Assassin is 24. Assassin is 28. He is 3 inches. Et t'as regardé jusqu'à la fin de la vidéo? Je sais pas si t'es encore là. Ça, tout le monde s'est barré. With the official introductions, the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Paris, France, Assassin. Ok, d'accord, pas normal. Vas-y, t'inquiète, tranquille. Fais ce que t'as à faire, puis. Scopera tout à l'heure. Oh yeah. Vas-y, c'est avec du monde. Wesh, la famille, bien ou quoi? Je sais pas si on m'entend chez toi. Ah, ok, c'est si. Ok. J'ai pas monté l'autre partie encore. Comme je t'ai dit. Tu veux que je la publie la première partie? Au pire, je peux la publier, puis je demande si ça intéresse, si quelqu'un veut la suite, quoi. Bah, tu veux pas me taper? Oh, le vieux lac de merde. Eh là là, tout ce que j'ai perdu d'endurance d'un coup là. Comment j'ai déglingué celui-là. Vas-y. Sinon je vais terminer au sol, hein. Kill. Oh là là, tout dans sa gueule. Il dort. Ah, le cri de taré que je t'ai fait n'empêche. Putain. Ouais, bref. C'était marrant. Identical.
Ah, excuse-moi Sadamuto, vite fait je roule ma clope. Enfin je la roule pas mais juste je fais un truc. Je prépare. C'est quoi ce vieux bras que t'as fait là? Le tatouage là que, t'as, que moi j'ai mis et que t'as mis sur ton bras, il faut pas mettre comme ça, il est chelou là. J'allais dire, tu vas protéger tes côtes là. Waka! Ah vas-y c'est bon. Ça se voit que t'es naze. Lève-toi. Stamina no good no. Arrête de puncher t'as plus. Stamina stamina oh regarde ton endurance. Il est chiant lui. Mais t'es sérieux? Ok. Finish him. I don't like submission, but tu veux qu'on se tape au sol? Isha! J'en ai niqué des plus balèzes que toi. Ouais, publie-la et vois si on demande la suite, mais t'as déjà moi qui demande la suite. Hahaha, j'avoue. Bah vas-y, je vais la mettre publique tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et je la mets comme ça, telle qu'elle et tout. Ou comment tu fais pour faire une image et tout, mettre suite point d'interrogation par exemple à la fin de la vidéo, tu vois. Je vais essayer de voir ça vite fait. Ouais, j'ai gagné 2 abos, j'avais pas eu. Si, si, la farine. Comment ça j'ai 4 vues sur la vidéo éditée alors qu'elle est même pas publique sa mère? Alors je vais essayer de voir ça en même temps, je passe sur stream là, tac tac. Je vais aller voir dans le montage vidéo. Ah non, ok. Ah si. Alors, attends. Comment tu fais pour faire une scène? D'accord. Ok, attends, je vais essayer de voir si je peux faire comme ça. Coming up next, it's a lightweight matchup between Black Mamba and Assassin. Our tail of the tape.
for this lightweight collision. Assassin is 7 years his elder. He will have a 5-inch reach advantage. And with the official introductions, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist. He stands 6 feet 1 in the tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Paris, France, Assassin. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of London, England, Hall. Ah, non, elle est con. The veteran, Herb Dean, our referee. Black Mamba, assassin. You ready to fight? Ready. Ouais, putain, je suis pas sur le chat. Donc tu vas pas dire bonjour. Black trunks for assassin. White trunks for Black Mamba. Oh, he lands the roundhouse to the body. It's a good block, and he counters with the left hook. Now he's taking some punishment here early, Joe. Ils sont vraiment en confiance. Attends, je vais juste. Franchement, elle passe bien. Alors là, j'y connais rien. Ok. Bon, allez. Beautiful knockout strike here for the victory. Time now for our fight replay. And let's take a look at the replay. This is the shot that drops him. Perfect technique. He's clearly in big, big trouble. Let's take a look at it one more time. Here's the knockdown. Vicious strike. Great angle here. Right on the button. Bruce Buffer has the official decision. Mais non. Putain, je galère. Attends, tu fais jouer, rouler, faire le truc sur YouTube. C'est chaud. It's a lightweight bout between Black Mamba and Assassin. Our tale of the tape for this lightweight collision. Black Mamba is 24. Assassin is 28. He will have a 4-inch reach advantage. With the official introductions, the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds. Lightweight division. Introducing first. Martial artist, he stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Paris, France, Assassin!
And now introducing his opponent, fighting out of the left corner, a mixed martial artist. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in 152 pounds. Fighting out of Sydney, Australia, Gomez. And when the action begins, our referee in charge, Mario Yamasaki. Mario Yamasaki, our referee. Black Mamba. Here we go. First round. Assassin. You ready? You ready? And we are underway. Tonight's fight is scheduled for 3 5-minute rounds. Black Mamba's opponent has. Okay, c'est bon, j'ai réussi. What will he need to do, Joe, to get inside and be effective? He's got to utilize timing and footwork. He's got to figure out what the distance is where his opponent can hit him, and he's got to figure out. Je me suis cassé le cul à faire une image alors que c'est plus simple que ça. Je suis désolé, hein, je suis pas sur le stream là pour l'instant. Je vais le faire juste après dès que j'aurai un temps. Je finis juste ça. Je vais faire un truc. Ouais, j'arrive. On va trouver ça après. Oh Eldo, si si, oh yeah tout le monde, pas normal Modo. Ouais, t'as un nouveau pote en Modo. Hop, allez, c'est bon, I'm ready. Bon. On va commencer à taper fort un peu quand même. Moi ça va en tout cas les gars, voici Mermer. Bon, je vais pouvoir finir ça. C'est quoi ça? Et pourquoi j'ai mis ça? N'importe quoi. You can see here from a different look, nasty shot to the body that lands absolutely perfectly. The legs go and gets the TKO. And here we see that again. C'est ça. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 4 minutes 39 seconds of the very first round. Declaring the winner. OK, je remets un autre. Oh non, non. Assassin winner by TKO. Ah merde, je dis que ça meurt.
Mais pourquoi il ne fait pas le passage là, il est sous ma gueule quoi. Ok, bon. Coming up next, it's a lightweight bout between Assassin and Ferocious. Our tale of the tape for this lightweight collision. Assassin is 10 years his elder. The rest is virtually identical. And once again, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, my name out of the blue corner. A mixed martial artist. He stands 6 feet 1 inch tall. Weighs in at 155 pounds. Fighting out of Atlanta, Ferocious. And now it's his opponent. Fighting out of the red corner. A mixed martial artist. He stands 6 feet 1 inch tall. Weighs in at 155 pounds. Fighting out of Paris, France. Assassin. Dan Mergliotta, our referee. Assassin, Ferocious. Here we go. Three-round fight. Attends, je suis pas prêt. T'as bien volé, mec. Putain, mais je suis un ouf, moi, putain. Comment ça, j'en pars pas un seul? Il est sérieux, moi. Back up again. Assassin with a solid right. Nasty leg kick. He's looking for a right hand. Both men throwing frequently. Assassin with a 1-2 that scores. That's a huge left. Big combination. He connects with the left. Good combination. Huge elbow to the head. Nasty elbow to the head.
the end of round number one. Ferocious is happy to make it to the end of this round after nearly being knocked out. That fight was very close to being over on two separate occasions. An incredibly dangerous round for him. And here we see some beautiful technique. Steps off the cage and lands a devastating strike. And here a perfectly placed punch results in a knockdown. And here's a devastating punch that results in a knockdown. Brittany gets us set for round number two. Ça faisait longtemps que ça ne l'avait pas fait ça. That's the end of this fight. And here it is again. Look at this. And he's out. And here is Bruce Buffer with the official decision. Ladies and gentlemen, referee Dan Mogliano's called a stop to this contest at 1 minute, 34 seconds of round number two. Going to the winner. Assassin, winner by knockout. Désolé, j'ai bientôt fini.
Ah, je suis désolé le stream, hein. J'étais en mode YouTube et... Putain, qu'est-ce que je suis con. Is 10 years his elder. He will have a 2-inch reach advantage. And now with our official introductions, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist. He stands 6'1" is tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Paris, France, Assassin. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a karate fighter. He stands 5'11" tall at 146 pounds, fighting out of Glasgow, Scotland. Okay. Kid Dynamite. Bah voilà, je l'ai mise. On va voir ce que ça dit. Kid Dynamite. On va voir ce que ça dit. Scheduled for 3 5-minute rounds. Black trunks for Assassin. White trunks for Kid Dynamite. Good combination. Beautiful right hand. Big swing missed by Assassin. Qu'est-ce qu'il fait? And another good body shot. Joe, you can see the significant damage on his opponent. Excellent job of landing punches here. Nice roundhouse kick to the body. These guys are going at it here right away, trading blows. He did a nice job blocking the head kick. Great utilization of the jab. Very good job of timing these shots here. Missed with that one. Kid Dynamite gets caught by a solid uppercut. Big kick, but caught. He catches the kick and counters with a left. Nice hands, really connecting with the punches. As he kick. Oh, he is just teeing off here. Ça sert à rien ce mec, c'est ouf. Great movement on the ground. Assassin gets it back to the guard. Into full guard. Nice reversal.
got some time to work here. 45 seconds. And again, he's back into side control. Assassin gets into the north-south position. 20 seconds. There's a body shot. There's a solid body shot. Putain, mais il est sérieux ce PD. Tu sers à rien, mec. Loser. T'es une merde. Une putain de merde, c'est abusé. Ah, ok, Eldo, vas-y, bon game. Oh, yeah, j'avais pas vu. Alright, let's check out some of the action from that round. And here's a nice shot to the body. Le mec, il tourne autour du pot, tout ça pour faire des takedowns et des cleans, je sais pas, un connard. Mmh. Je suis en train de manger un gâteau asiatique là. Une cliente m'a fait. Pas mal. On s'en bat les couilles, je sais, mais. J'avais envie. Loser. T'es vraiment une merde. Mais t'es une putain de merde. Dégage. Ça sert à rien, t'es une merde. Ouh. Vas-y, viens te battre là. Tiens, donc ta gueule. T'es une merde. T'es une putain de merde de merde. Vas-y, dégage. C'est un truc de ouf. Joe, you can see this was part of the game. Utilize the jab. Keep your opponent. Trying to stay out of trouble here. Vicious body shot. He is going after it here. Alors, petite quiche. Ah là 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 là, mais c'est vraiment une merde. Bouge ta graisse. Mais ouais, coach, mais c'est une tapette. Last round, guys, you ready? You ready? Let's go fight. And final round. Now starting off this round. Pédale. T'es vraiment une tarlouse. Il y a deux là.
C'est chie dessus, mec. T'aurais dû mettre le short noir, on n'aurait pas vu ta trace de merde au cul. C'est chie dessus, tu pues du cul, on s'en dit ici, mon pote. Wow. Unbelievable. Allez, lève-toi. Start, rash kid. Rash kid, mec. Vas-y, mets start et casse-toi. Ouais. Tu veux gagner le combat, mais tu n'y arriveras pas. Là, c'est juste histoire que tu crois un peu. À mon tour. Je suis allé à droite comme un con. C'est vraiment une merde, hein. Franchement, j'ai jamais vu une merde comme lui, c'est un truc de ouf. Il m'a vénère, ce fils de chien. Top 1. Ça va être gargousillé. Round 3, the legs buckle and he's down. Bruce Buffer has gathered the judges' scorecards. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges scored the contest 30-26, 29-27, and 30-26. For the winner by unanimous decision, Assassin! Assassin! Gratuit, t'as plus de batterie.
Moi ça me plaît, vas-y. Heinz Pax, ça va ou quoi? Joue beau gosse. Ah ouais, je suis en train de jouer là. Ça va ou quoi? BG, ouais, c'est beau gosse, je crois. Oh putain, eh, j'ai vu Brad, je me suis dit putain, c'est Pete. Non, après ouais, j'avoue quand j'ai vu le Scott en dessous. Oui chef, oui chef, oui chef, j'arrive, j'arrive. Il fait mal avec ses bugs, cet enfoiré. Ok. Ça te calme? T'es calme, enculé? Non? Et encore, là, c'est les petits coups, hein. Je peux taper plus fort, hein. Je vais taper plus fort, tu vas voir mal. Ça m'énerve tous ces coups dans le zèvre là. Tu as pas pris dans le zèvre là. J'ai rien senti. Et bim! Et bim! Oh McCoy! Big pack opening. Ah, j'avoue McCoy. Hey, tu sais quoi, tu devrais mettre ça en titre. Je pense que tu l'as fait et tu devrais attendre avant de... Enfin, attendre. Roule-toi une petite clope, fais-toi un petit café ou quoi en lançant ton stream tranquille et attends que le monde arrive. Et j'avoue que... Ça me tente bien d'aller voir ton machin, mais enregistre tes vidéos, McCoy. Si dans les paramètres tu le fais pas, paramètres Twitch, mais enregistrer ou sauvegarder tes vidéos et moi je le materai en tout cas. Ça peut être intéressant, garde là, ouais, enregistre. Justement, ça c'est un truc à garder, ça. Bruce Buffer with the official decision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 16 seconds of the very first round. Declaring the winner. Non mais t'es sérieux, ça fait combien de combats que je fais alors qu'il n'y a même pas une ceinture? Non mais t'es sérieux quoi, j'ai fait 9 combats, j'ai 0 ceinture wesh, et je suis en D2. Bon, pour un con quoi là. Le beau fit. Hein. À pas me prendre pour un con moi. Vas-y, paye ta ceinture, après ils vont mettre un monstre en D4 là qui a une ceinture. Enfin D4, après quand je dis D4 c'est minimum, après c'est D4 à D8 ou D9 je crois, ouais laisse tomber quoi. Excusez-moi, je faisais une mini crise d'épilepsie. Ça arrive.
Assassin is 6 years his elder. The rest is virtually identical. And with the official introductions, here's the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Attends, je regarde juste pas les journées de match, je crois que j'ai déjà oublié. Je suis tellement perdu, je sais même pas quelle journée demain. Vendredi. Ah non, le samedi. C'est 3h. Ah non, là je l'ai plus. Ah c'est cool. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va être tranquille. Ouais, check popiette, mais ou quoi? Ush! 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 Oh, mais t'es trop fort! You are best, t'es un putain de best, toi! Comment tu fais? Il a mal partout! Oh, bout des doigts de pied. Sur le crâne. Je suis la colère de Jack. Yeah baby, c'est ça. Oh Pascal, il est là. Oh yeah. Parce que là je me disais, McCoy il parle même plus, il m'a même pas répondu. En fait il est venu faire sa pub, bim il s'est barré quoi. Sacré lui. Ouais non si vas-y. Je sais pas pourquoi je fais ces bruits chelous, je suis désolé, c'est je sais pas. Malheureux qu'il a pris de la, un speed ou quoi, je sais pas. Ou peut-être parce que je suis en chien, ouais. J'ai envie de lécher limite quoi. Je suis ouf. Oh merde. Un message. Ah oui c'est vrai, je l'ai vu. Bon après j'annonce que je vais pas trop tarder non plus parce que demain je taf, j'ai pas une grosse journée mais j'enchaîne pas mal d'heures avec la même personne et c'est un petit garçon, il me faut de l'énergie, il a 5 ans, ça va être chaud. Jack un petit garçon à 2-5 ans, c'est dur pendant 3 heures, enfin dur, non ça va, mais en plus qu'il est un peu handicapé, ça allège pas le truc quoi, t'as eu. Excellent job of landing punches here.
Both men looking to do damage early. Man, that jab's really effective here. Bon. He defends the head strike with a strong parry. This could be it right here. M'emmerde. Finish him. Beautiful KO for the victory early in the first. Time now for our fight replay. Grotte écart, limite. J'aime bien la, quand tu te défonces comme ça au sol, la position là, elle est stylée. Ça change. Great angle here. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Coup de marteau, mon pote, sur le teco. Un deuxième. Après, il s'est pris un gauche du marteau. Et après, il s'est pris une bonne tatane à la fin. En gros, il va voir ta mère. Albater. Albater, ça c'est pas. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi vite fait. Albatar. Coming up next, it is our main event of the evening. T'as 400 000 boules. T'as un demi-million. C'est un truc de ouf. Assassin is 4 years his elder. He is 2 inches taller. He will have a 2 in. Voodoo. Assassin. Here we go. Ah. Là, je suis pas américain. Comment ça tu m'insultes en plus? Et le mec il arrive, il me dit fils de pute. Non, c'est moi, il dit pas bonjour et en plus il fait sa pute. Bon, c'est pas de battre quoi. Putain, t'es une merde. Mange tout dans la gueule. Et tu mets rien du tout. Putain, c'est toi le fils de pute, tu joues comme une pute. Oh, t'es trop rapide. Oh, ta gueule. C'est pas visé, c'est pas joué, va te racheter un jeu Nintendo, fils de pute, tu t'encules. Arrête, comment tu joues, t'es trop fort. T'insultes les gens de fils de pute d'entrée, tu dis pas bonjour, on aurait pu être poteau, enculé. Tu aurais pu t'apprendre à jouer tellement que t'es une merde. Hein? Et en plus, t'es en stream! Pouchou! Oh l'enculé, fils de pute! Grosse pute! Nique ta grosse mère! Tout ce que j'ai dit, j'ai tout répété, il a gueulé sa mère! Comment je l'ai niqué en public, cet enculé? Eh, hey, vous l'entendez pas, cet enculé? Parce que lui, putain, dommage que vous entendez pas les joueurs! Il est en train de rager comme un bouffon! Il va m'envoyer des messages et tout, tellement qu'il a pas de pote! Ou il va venir sur le stream pour dire hey, nique ta mère. Ah, comment il m'a chauffé ce fils de.
92 debout, il sait pas jouer. Oh putain, et puis voilà les résistances qu'il a par rapport à moi. Franchement, il devrait peut-être acheter Tekken. Tekken, ça devrait bien lui aller à lui. Ce qu'il fait à la fin. Fils de pute, nique ta mère. C'est ce qu'il m'a dit. Il était loin, hein, parce qu'il avait un micro à la base. Et là, je crois qu'il a ragé. Genre, il s'est levé en mode, il a posé le micro à la manette. Ça, j'aime pas les mecs comme ça, putain. Monsieur Monster. Ah, c'est enfin pour la ceinture. Ah, enfin. Putain, ça faisait longtemps. Hein. C'est mon 13e combat, quoi. Je vais pas me la foutre en l'envers, je te dis. Mais comment ça, je bouffe tout? Oh! T'en prends dans la gueule, moi je te dis. The time is here. We've been waiting for this for a long time. The fans are hyped up, and this is one of the most highly anticipated world championship fights ever. An absolutely enormous fight right now. There's that big jam. And he lands with the left. Good combination there. Looking for the clinch. Nice roundhouse kick to the body. He is really finding a hold for those body kicks. Absolutely. Both men landing in that exchange. Nice kick by Monster. Great utilization of the jab. He gets the Muay Thai clinch. Joe, that's a good elbow by Monster. Under three now. Oh le bâtard. Pourtant, je suis allé en haut. Toi, tu vas payer ta ceinture, je te le dis, paye ta ceinture. I'm champion. Oh, je suis allé en haut. Putain, t'es sérieux? Oh, il a rage kit. Pouah, c'est encore une plus grosse merde que le français d'avant. Oh là là, il a rage kit, le mec, j'y crois pas. Eh, j'espère que j'ai... Ah, j'ai la ceinture, j'ai eu peur. L'enculé. Oh là là, mais les mecs. Oh là là, putain. Alors que voilà quoi, je sais pas, je suis plus nul que statistiquement. J'ai que des points. Esquive-les, je sais pas, fais quelque chose, panique pas. Ah, 12 000, j'ai pas vu. Oh, pour le pack événement. En fait, j'avais économisé pour le pack de merde. Un élément. Bon, attends, 9 points, un triple. C'est parti. Je pense à McCoy, il y a 800 000 là-dedans. J'espère que t'es pas sérieux là dans ton pack de merde là. Ils sont pas sérieux ces fils de pute. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi cette putain de connerie même? Pour la défense takedown, j'avoue, ça m'arrange.
Ça, ça marche pas du tout. Va te gratter. Ah, dans la gueule, moyen, on sait jamais. Ça, on s'en bat les steaks, mais. Pareil, moyen, on s'en fout. Ça, c'est cool, ça, parce que je crois que ça va me servir. Pour le moyen, c'est lancé jamais, je sais plus. Lourd sol. Vous avez dans cette soumission, non, j'en ai des mieux. Eh, vas-y, c'est cool. Je suis pas sûr, mais attendez, attends. Is 28. The reach is identical. And with the official introductions, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC. Oh, pas normal le stream, j'ai pas vu. C'est la famille. Top OM, yes, autant pour moi, désolé. Sorry. Ok, look you, ok. Montre-moi. Ching-chong. Ching-chong. Look quoi? Look what? Look. Ah, français, speak French. Française. Dirty French. Attention. Bon, kick my ass ou qu'est-ce que tu fais? Ouh. Ah. buena, good, c'est ce qu'il m'a dit. Let's check out the action on our fight replay. Let's take another look at the replay here. This is a huge punch that lands absolutely perfectly and the lights go out in Georgia. Look at this. Lands perfectly and that's the end. Oui, bah dis look, genre qu'est-ce que tu veux que je regarde? No comprendo, j'aurais dû lui dire ça. Il doit pas être résistant, c'est chelou. J'y crois pas, n'empêche qu'il y ait aucun français qui stream sur UFC quoi. À part pas normal, moi et puis un viewer, oui, c'est le tout. Enfin, un viewer, un streamer plutôt. Je trouve ça ouf.
It's a lightweight matchup between Diesel and Assassin. Our tale of the tape for this lightweight collision. Assassin is 4 years his elder. The rest is virtually identical. Once again, here's the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Diesel, Assassin. Here we go, first round, you ready? You ready? Let's go, come on! Here we go. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. Oh là là. Black Trunks for Assassin. Le dernier qui m'a fait ça, c'était un Français qui s'est pris une déculottée devant tout le monde, mon pote. He's done a really good job here so far, Joe. And he's going to take the spring out of his opponent's step. Absolutely, Mike. They have started this fight off with a brawl. And he's digging into that leg kick. Continuing to strike well. Bon. Tu me casses les couilles. Now he's got him in the plum clinch. Tu me casses vraiment les couilles. Attempts to fly into this punch off the cage, but misses. Good straight right by Assassin. Huge uppercut. Body kick, look at that. Wow! They are on their feet. And here's a nice kick to the body that lands. And here, belle à la fin du round. Here we go, second round. You ready? You ready? Let's go, round two. Nice leg kick. Comes out swinging. Got him the victory. Time now for our fight. Here is Brute. Je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe d'appuyer en bas.
Bon, j'annonce que ça va être sûrement le dernier combat. Après, je vais arrêter. Faut vraiment que je me repose. Oh, Jimmy Soul, ça va ou quoi? Toi, je dis ça au moment où t'arrives. Ah, Jimmy Soul, je tombais sur un français. Il me check le point, je sais, on parle pas, tu vois. Il me check le point, il me fait un coup de pute. Je fais ouh, il me dit ouh, fuck you, je suis français, mec. Il fait, t'es français, fils de pute. Il me dit, je fais quoi? Je suis fils de pute, tu m'insultes direct comme ça. Il fait, vas-y, ferme ta gueule, je sais pas quoi. Pa, je fais alors qu'est-ce qu'il y a, espèce d'enculé là? Je fais le fils de pute, je fais c'est toi la pute, tu joues comme une pute là, je fais qu'est-ce qu'il y a là, t'as le marave et tout. Je fais on aurait pu être pote, j'aurais pu t'apprendre à jouer tellement que t'es une merde et tout. Et il a ragi, il a fait je t'emmerde ou non, il a dit nique ta mère, fils de pute, il a gueulé. Oh, Anto, ça va ou quoi? Comment je kifferais lui redéchirer sa gueule à lui. Ouais, Jimmy Soul, mais je l'ai fait rager, truc de ouf. Je le maîtrisais, je lui fais vas-y. À chaque fois que je le maîtrisais, en fait, j'avais pas arrêté de parler. Tu vois, au pire, je ferais un petit temps fort sur lui, mais on l'entendait pas parler, ce bouffon. Pourquoi je fais ça? On va se détendre, hein. Il est chelou, lui. Oh, chevalier, ça vaut quoi? Si, si, Anto, tranquille. Ah, oh, bah, c'est rare, hein. C'est rare, Jimmy Soul. Un putain de nazi. Ah, ouais, putain. C'était un français? C'était un français, Jimmy Soul, le nazi, là? Gotta think that the barrage that he endured in that last round is still affecting him. He's gonna
Mais ouf là. Si, si, j'avais lu. Ok, si, si, Jimmy Snuka, tu m'étonnes. Ah, mais si ça aurait été un étranger, tu vois, je l'aurais pas parlé. Comme je l'aurais parlé si ça aurait été un français, tu vois, si ça aurait été un français, laisse tomber, je l'aurais parlé. Je l'aurais parlé. Bah, il y a une alerte, Jimmy Snuka. Ouais, Chevalion, ça va, je suis un peu fatigué, mais ça va, justement, je vais pas tarder à arrêter. Normalement, j'avais dit que c'était mon dernier combat. Après, j'arrêtais, mais bon, vu que vous venez d'arriver, je vais encore faire un ou deux combats. Mais je vais pas tarder, je suis naze, je travaille ce week-end. Je suis une petite journée, mais bon, faut que je sois en forme. Demain, je m'occupe d'un petit. Pendant plusieurs heures. Et Jimmy Soul, c'est tout simple, hein. Quand tu vois directement. Regarde, à l'entrée du combat, tu vois un mec avec des tatous nazis, tout ça, tu passes pas le combat direct, tu vois, genre tu fais start, et il y a marqué signaler, c'est tout. Parce que ça reste un jeu, sa mère. Un jeu, ah oui, ouais. Je te fais voir, genre là, je tombe sur un con. Bon. Je sais pas. Luc, tu vois, j'aime pas. Donc tu mets signal les combattants. Et voilà. Merci de votre rapport. Big Train, Assassin. You ready? Let's go, fun. Here we go. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. Black trunks for Assassin. White trunks for Big Train. Man, Joe, he is truly showcasing his striking skills. T'inquiète, c'est normal, je me laisse faire. Straight right, Ben came out hard. Oh, nice uppercut. Vicious combination. Hard jab. Beautiful body shot there, too. He connects with the left. Oh, good combination. Big power jab. Oh. Oh. And he goes down. Je fais nimp. Ça, c'est à cause du signalement, ça. Je suis allé en bas, putain, mais t'es sérieux? Je suis allé en bas. Il est sérieux. Vas-y, viens là, toi. Good job blocking the punch. Look at this. Trying to find the range. Good jab. Nice roundhouse kick. He's doing a great job of being unpredictable and mixing things up here. Kick to the body. Oh, that's a big straight right. Good punch. That's a big hard uppercut. Combination. Allez. Damaging left hand. Nasty
combinations here. Body kick, look at that. Oh, again. Man. Hit him with a jab. Nice roundhouse kick to the body. Oh, just missed with that right. Good takedown defense. Final seconds of the round. And that'll be the end of round number one. And here we see some beautiful submission offense here. Here we see it from another angle. The beautiful car. Pas là-bas alors, enfin j'en sais rien, mais bref. C'est une deux chances de merde. Hein. C'est une deux chances pour eux, en plus tu dis Germanie quoi, donc de chance, c'est ceux qui pensent que c'est une croix de chance, c'est ceux qui pensent que Hitler c'est un dieu, tu vois. Enfin pour moi c'est ça, hein. C'est obligé, mais ça peut pas être genre un truc à part, c'est un rapport. Non? Oh, qu'est-ce que tu branles là? Good roundhouse kick to the midsection. Oh, solid jab. Assassin with a strong combination, using his jab very well. Joe, that was well done, blocking the punch. Nice kicks. Quick jab connects. Joe, he's really on point with his strikes tonight. Caught him with a punch. Joey did a nice job blocking that punch. Tried to time a straight right. Il fait mal à la tête, lui, hein. A good jab. Nice. Great defense as he blocks that body shot. Oh, head kick. Nice. Oh, right into the midsection. Nice body kick. He connects with the head kick. Bâtard. Final minute of round two. That's a big hook. Nice. Nice block. Oh, he lands the roundhouse to the body. Man, Joe, he's connecting with those punches. This might very well be stopped in between rounds just because of the blood loss, Mike, because that is extraordinary. Whoa! Big round is pound. He's all over him now. Gonna head to round three. And we are going to see another round, Joe. Wow, saved by the bell. The crowd is loving it, Mike. This is an awesome matchup, and everyone here is looking forward to this final round. Let's look at that from a different angle. Ok, Chevalion, on top problème. Ok, bon bah. Les pauvres, j'ai envie de te dire. Les pauvres. Final round, you ready? 5 minutes left in this fight. Left kick to the body.
Assassin with a good left. Solid jab. And a couple good shots here. Nice parry there. And what damage. Oh, huge kick to the midsection. Wow, look at those numbers. Body strikes landed. Nice. Nice 1-2. Big Train's continuing to target that cut. He certainly is. He's absolutely targeting that cut. And that is going to open up even wider now. Big roundhouse kick. Big shot. Oh, that's a heavy body kick. Big kick to the liver. He's hurt. What a jab. Right to the liver. Oh non! J'ai protégé la tête comme un coup. Bon bah voilà. Je finis sur une défaite. Let's check out the action on our fight replay. As we see here in the replay, it's this nasty body shot. He's in big trouble here. He buckles over. And this is the TKO finish. You can see here from a different look, nasty shot to the body that lands absolutely perfectly. The legs go and gets the TKO. And let's look at it from a different angle. Bruce Buffer. Bon. T'as pourtant, ouais, franchement, en plus j'aurais trop dû le finir au sol. Mais bon, c'est la fatigue. Si moment culturel, je vois, j'avoue. Bon, Chevalion, Money Team, Pascal, qui m'a pas répondu tout à l'heure mais qui est toujours là. Pas normal l'Eldo. Après c'est un d'autres, bah je vois pas. J'y vais, on s'épile, la touffe, on connaît tout ça. Et puis je vous dis oh. Ouais, je verrai demain. Je vous dis sûrement demain soir, je rentre vers 19h. Enfin, je restreamerai peut-être vers 19h, mais je vais voir. Vas-y, bonne soirée, good night, on se file la touffe. Oh yeah, bon week-end aussi, au cas où si on se capte pas. Peace, ma gueule. Simmer, chevalon. Oh yeah.